Salut tout le monde, c'est Randrak et on se retrouve pour le 7ème épisode de Super Mario 3D World. Et comme prévu, on s'attaque au niveau 5-6 qui se nomme Régal de Dalles. Et vu l'aperçu qu'on en a, c'est les dalles bleues et rouges qui changent sans cesse. Quand on saute, elles changent de couleur. Voilà. Tout simplement. Donc il faut bien faire attention à ce qu'on fait quand on est dans le vide surtout, parce que là encore ça va. Là ça va, il y a du sol dessous. Mais dans le vide, ça change tout. Oh punaise. Ouais mais c'est énervant, il suit pas le mouvement le deuxième. Il est censé pourtant. Bien, magnifique. Ok, ce fut marrant. Très simple, mais marrant. Parce que je m'attendais à ce que ça... Il y ait besoin de réfléchir pour savoir comment faire tomber la boule, mais même pas. Par contre là, c'est moi qui ai fail. Et en beauté d'ailleurs, je le reconnais. Donc on recommence. Vu comme c'est simple en même temps. Waouh, c'était tout aussi dur que la première fois, dis donc. Bon, tu arrives à le buter? C'est un Goomba, c'est quoi? Ok. Celui-là, il a vraiment décidé de me buter. Il a vraiment décidé de me buter, celui-là, de bidule. Il veut pas me laisser avancer. Sont très agaçants ces bidules là. Oh punaise, de punaise, j'étais...
Il va m'énerver jusqu'à quand, lui, là? Jusqu'à quand il a décidé de m'énerver, celui-là? C'est bon temps pour sorcier, mais bon... Les deux sont en train d'un coup pour un coup. Mais quel... Non, là c'est moi là. Mais les débuts d'épisode ils sont... Je sais pas, j'ai fait le temps de me remettre en place ou quoi là. Et je vais pas mettre 10 minutes à chaque début d'épisode pour faire le premier niveau. Non, parce qu'il y a rien de sorcier, hein, pour arrêter. Là. Ah punaise. Non, non, non. Non, il en faut deux là. Allez. Tant pis pour la troisième étoile. Et voilà quoi. Punaise. Merci. Ah, la galère, pour pas grand chose en plus. Ce serait un passage compliqué, je dis pas, mais ça l'est même pas. Allez, 5, 7, en douce sous les projecteurs. Ah, on va encore jouer avec les ombres. Comme dans je sais plus quel monde, le premier je crois. On avait joué avec les ombres. Ah non, là c'est plutôt projecteur pour le coup. Ah punaise, il est revenu à lui là. Pas fait. Le méchant bonhomme vert qui m'a servi à rien en fait. Juste à me faire perdre mon objet. Bon, je vais y arriver à l'avoir ce truc jaune. Tout ça pour une pièce. Ok. J'adore ce jeu par moments, c'est dingue. À mon avis, il y en aurait besoin, mais bon. Pour l'instant. On va pas chercher pendant 2 heures.
Si ça les amuse de me chasser, moi je m'en fiche. Après tout. Oh punaise, je l'avais pas vu qu'il m'ait suivi derrière l'autre. Non, loupé. Doublement loupé. Que je joue mal dans cet épisode, encore pire que d'habitude. Alors que c'était si simple que ça. Mais bon. Hop. Je sais pas ce que je fous dans cet épisode. Je joue n'importe comment. Je fais des erreurs que je devrais même pas faire, quoi. Je fais des erreurs plus grosses que moi, c'est pour dire. Citadelle du roi Tlonk. Toi tu te tais et tu me laisses tranquille. Au revoir Mario. J'ai pas pensé qu'il allait partir si tôt. C'est pas grave. Allez. Arrêtons de jouer comme une quille. Et on y retourne. Je l'ai eu, hein. Je croyais que je l'avais pas récupéré au passage. Tu me laisses tranquille. Bon, tu tapes ce bloc, toi, merci. Oui. Ah. Tant pis, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était foutu pour l'étoile.
Hop. Boum, et deux. D'accord. Merci. Boum et deux. D'ailleurs, enlever lesquels? Là et là, ok. Ok. Au revoir. Je loupe beaucoup de choses, de plus en plus. De plus en plus. Trop faux, où est la troisième étoile? Et le tampon aussi. Pour le tampon et la troisième étoile, il faut le chat. Ok. Allez, monde 6. Comme d'hab, je fais mon petit tour. Ça emmène où ça? D'accord, ok. Un petit tampon fait. Ok. Eh ben on va aller. 6-1. 6-1. Des tuyaux dans les nuages. Toi, tu te tais. Où est-ce que t'as vu qui ont craché sur les gens? C'est mal poli au possible. Pop. Comment ils veulent qu'on détruise les trucs là? Comme ça? Ouais, mais est-ce que quand on est dans les tuyaux... Ah bah non, attends. Regarde. Hop, tout simplement. Tout simplement, avec l'étoile, je l'avais pas vu. Hop, deux qui se mettent là. Mais par contre, ça marche pas. Hein. Ça marche pas.
Oh la vache, je me suis trompé de bouton de direction. Oh punaise, oui oui bah oui. Oui oui bah oui. Oh punaise. J'ai cru que c'était le vide en dessous. Faut pas me faire peur comme ça. Non. Hop là. Tu te tais, toi. Excellent. Excellent. Comme le plan de Piranha dans Mario Kart 8. Excellent. Non, punaise, non! Quel couillon, puis dire tourner, tourner, tourner en plus. Non, punaise. Là-dedans à tourner en rond lui. Ok. Ok. Et il nous sert à quoi? À rien? Ouais, alors c'est bon. Tiens. Ça sert à rien de dire dépêche-toi, dépêche-toi, c'est bon. Je cherchais juste à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire avec Todd. C'est tout. Tiens, qu'est-ce que le Captain Todd vient faire là-dedans? C'est marqué aussi. N'oubliez pas que depuis la carte, vous pouvez vous rendre dans tous les mondes que vous avez déjà visités. Vous pouvez... Oui, je sais. Il là, il m'en manque quelques-unes. D'étoiles et de tampons aussi. La nef des bouffes, 6-2. On peut pas le faire tomber, d'accord. Ah, je cherche à comprendre qu'est-ce qu'on fait avec lui, quoi. Parce que visiblement pas grand-chose. Je n'en sais rien. Oh.
je sais pas, on peut pas les faire tomber, on peut rien faire avec eux, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas à quoi ils nous servent. Foutez-moi la paix, vous deux, là. Ok, j'en ai loupé une. Avec les espèces de taureaux, là, qui nous foncent dessus, à mon avis. Wow, ça surprend, là, votre truc. Oh! Il va y avoir un truc à faire, à détruire là, je sais pas. Ouf, je sais pas, je comprends pas. Là. Faut tomber dans le trou. Faut tomber dans les trucs là. Non. Ok, faut faire quoi? Les gars, faut faire quoi? Ok, faut faire quoi? J'ai pas compris. On peut m'expliquer? Est-ce qu'on peut les pousser, nous, dans le trou, pour les faire tomber? Ou un truc dans le genre? Parce que là, sincèrement, je ne comprends pas. J'ose même pas prendre mon chat, parce que je me dis que... Bah, ok. C'est ça, à mon avis. C'est ça, à mon avis, pour faire ce genre de truc là. Non, mais viens par là. Ok, bah oui, faut comprendre. Hein. Faut capter qu'on peut faire ça aussi. Hein. Ok, ouais, d'accord. Ok, bon. Sur ce, je vais vous dire
à bientôt pour la suite de nos aventures avec Mario. On se retrouve très vite. Et puis voilà. Ciao. Allez, salut.